Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes colos terminés du mois. Donc cette fois-ci, il y aura 2 mois, décembre et janvier, parce que j'ai pas beaucoup colorié ni en décembre ni en janvier. C'est des mois qui ont été très chargés et puis voilà. Donc j'ai beaucoup de mal à prendre du temps en ce moment pour moi colorier et du coup voilà. Enfin, malheureusement, le tout s'enchaîne, hein. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai colorié dans Nightfall, comme vous le savez, hein. Et j'ai donc fait le colo de la page de couverture qui est celui-ci. Voilà, là il y aura moins de reflets. Alors, j'aime bien tous les éléments séparés, mais je suis pas fan du résultat global. Je sais pas, je trouve que ça manque un petit peu d'harmonie. Le rouge, je pense qu'il est en trop en fait. J'aurais mieux fait de les faire rose. Ça aurait été plus joli si ça avait été rose aussi. Il a été fait au Prismacolor uniquement. Je vais vérifier quand même parce que là, je ne sais plus. Alors par contre, là, je vous montre celui de janvier alors que je vous ai pas fait voir celui de décembre. Enfin bon, c'est pas grave, je vais vous faire voir juste après. Alors, celui de janvier, il a été fait au Prismacolor, c'est bien ça, entièrement. J'ai utilisé un blender et pour le blanc, j'ai pris le Drawing parce que mon blanc, enfin, mes blancs Prismacolor, il n'y en a plus, on est tout au bout. Donc ça, c'était pour le mois de janvier sur Nightfall. Et ouais, et décembre sur Nightfall, franchement, je les ai adorés. Bon, vous les avez déjà vus si vous me suivez avec les fils rouges, mais ça fait très automnal, hein, par contre. Mais franchement, voilà, je les adore. Je les trouve vraiment très jolis tous les deux. J'aime beaucoup les fonds qui ont été faits à l'aquarelle. Et puis, voilà, je suis vraiment contente. J'aime bien mes champignons. J'aime bien mon écureuil. J'aime bien mon hibou. Voilà, j'aime beaucoup le résultat global du coup des colos de cette double page. J'adore. Donc pour le Nightfall, c'est tout. Je n'ai pas eu le temps de faire celui que je vous avais dit que je tenterais de faire si j'avais le temps. Donc je vous le refais voir puisque du coup, je vais essayer de le faire le mois prochain. Donc c'est celui-ci avec la petite fille. C'est le dernier du livre, enfin le dernier en page entière, puisque après il y a les pages où elle dit ce qu'il y a sur les pages. Là il y a des petits trucs, voilà, des petits papillons, des petites fleurs, donc qu'on pourra faire aussi, mais bon, ça je me dis c'est pas dramatique si c'est pas fait. Donc pour février, du coup on va rester sur cette page-là à faire en plus. Si vous le souhaitez, alors j'ai déjà quelques personnes qui me l'ont envoyé. Donc il y aura une partie spécialement pour ce colo le mois prochain. Voilà. Mais ça, ce sera dans le fil rouge. Mais là, on n'est pas dans le fil rouge, on est dans mes colos terminés. Donc dans mes colos terminés de janvier, il y a celui-ci. Puisqu'en décembre, en fait, j'ai fait que cela dans Nightfall. Ouais, j'ai fait que Nightfall. 1, 2. Ah non, j'ai oublié. Je vais aller le chercher. J'en ai oublié un. Ah non, ça c'est novembre. Et où décembre? Décembre, là. Nightfall. Et après, c'est que des mystères. Voilà. Donc, c'est bien ça. Ensuite, donc pour décembre, pour janvier, dans le Anna Carlson, j'ai donc fait celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu plus près le fond. Et mon oiseau tout rouge, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le faire rouge. Enfin, je trouvais que ça faisait très, très Noël en fait. Et du coup. Le vert du sapin, je me suis dit qu'est-ce qui va bien avec le vert, c'est le rouge. Donc j'ai tout fait en rouge, le reste, par la cloche que j'ai fait en or.
Et celui-ci, il est fait au polychromos entièrement. Et j'ai mis un temps fou à faire les épines. Ouais, parce que quand on regarde pas de près, ça se voit pas, mais il y a des dégradés dans les épines. Hein. Et ça prend beaucoup de temps parce que c'est des tout petits espaces qu'il faut travailler. Voilà. Ensuite, dans le Girl Power, et ouais, ça y est, il est entamé puisqu'il fait partie de mon fil rouge 2020. Donc j'ai fait le premier colo, je ne l'ai pas encore plastifié, j'ai prêté ma plastifieuse à ma soeur, de Mulan. Voilà, c'était la première page avec Mulan et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le résultat. Et j'adore le visage, ce visage-là. Voilà. Alors par contre, j'ai malheureusement des petites bavures ici et j'en ai une autre ailleurs, je sais plus où. Enfin, on le voit pas trop, c'est pas grave. Mais c'est mon crayon noir. En fait, j'ai pas attendu assez longtemps. J'ai reposé ma main dessus et ça a fait une trace. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu et j'adore, 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 j'adore. J'aime beaucoup. Voilà. Pour le Girl Power. Donc il a été fait, j'ai dit. Est-ce que je vous ai dit? Il a été fait au Prismacolor uniquement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors il a été fait au Prismacolor pour les personnages et le fond ici. Et là, il a été fait au bloc Intense. Vous savez que j'ai eu dans mon colis de rondettes. Et c'est pareil. Pour celui-ci, il a été fait au polychromos. Ici, le fond là, ça a été fait à au pastel sec. C'est pas une, c'est un pastel sec. Au pastel sec Faber-Castell, donc l'effet nuage. Et le fond jaune a été fait également au bloc Intense, puisque je voulais un petit peu les tester. Bon, après, je les ai testés dans des fonds tout simples. Il faudra que j'essaye de faire des fonds un petit peu texturés la prochaine fois pour voir vraiment ce que ça va donner. Alors, c'est fini pour les colos classiques du mois de décembre et janvier. Vous voyez, ça prend même pas 10 minutes pour vous parler de mes colos de décembre et janvier. Donc, heureusement que j'ai pas fait ça enfin, que j'ai pas fait chaque mois une vidéo parce que ça aurait été trop, trop, trop court, hein. Ensuite, dans le carré mystère Buddies, alors c'est un carré que je suis pas fan. J'en ai fait quelques-uns quand même. Donc là, c'est janvier, là, c'est décembre. Donc j'en ai fait deux. Un en décembre, un en janvier. J'ai fait le Hercule ici. Voilà, je ne suis pas fan, pas fan du tout. Et j'ai fait les petites souris Gus, je crois. Et l'autre, je ne sais plus, de Cendrillon. J'adore ces petits personnages et on les voit pas souvent. Alors, ça a été très compliqué à trouver tous ces marrons là que vous voyez. Alors, il fait le truc sur ma tête, mais moi je veux pas que ce soit sur ma tête, je veux que ce soit là. Vous voyez tous les marrons qu'il y a ici, ça a été très dur de les trouver. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs que j'ai pas trouvé, que j'ai mis une teinte un petit peu différente. Voilà, j'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5 colos dans ce livre. Oh, je suis pas nette là. Et comment vous dire que après ces 5-là, j'aime toujours pas. J'aime plus ces livres-là, alors que j'étais tellement fan du premier et du deuxième. Franchement, je crois que je vais m'en séparer. C'est très rare que je dise ça, mais les carrés mystères, je crois que je vais m'en séparer. Je pense que je vais faire un lot sur Vinted parce que ça m'intéresse plus. J'y arrive plus. Ça me motive pas. Je sais pas. J'étais tellement motivée par les premiers et tellement déçue par le princesse que là, j'y arrive plus. Donc, je pense vraiment, vraiment, vraiment que je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai été dans le grand classique Disney tome 2. Mais j'ai toujours du mal à me séparer de mes livres. Hein. En plus, là, j'ai fait des colos dedans. Alors,
Alors là, il y en a un peu plus. On a un peu plus de matière. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont fait avec moi. Donc, en décembre, on avait fait celui-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Il me semble que c'est dans Hercule, hein, je ne sais plus. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah non, c'est Mulan. Je crois que c'est Mulan. Le 56. Je vais aller vérifier quand même. Bah oui, c'est Mulan. C'est les dieux qui sont avec Mushu. Alors, Céline. Donc, on a fait celui-ci. Je vous le mets par là pour vous faire voir un petit peu les colos des colos copines. Alors, je suis super contente parce qu'on est bah, un petit peu plus qu'au départ. Hein. Au départ, j'étais toute seule, même si je le disais, il n'y avait pas grand monde qui me suivait. Et là, bah, ça commence à venir, donc je suis super contente. Ensuite, en décembre, on a fait cette page-ci. Je vous l'approche un petit peu. Voilà. Je crois que je me suis plantée quelque part dans les yeux, hein, mais je ne suis pas sûre. On va mettre à côté celui de la copine, comme ça, vous verrez là où je me suis plantée. Et je crois que j'en ai deux aussi comme ça. Donc, je vous le mettrai l'un derrière l'autre. Mais sinon, je l'aime bien. Et puis, bah, ils nous ont fait deux serpents sur la même page. Enfin, sur la même double page. Alors, je vois plus du tout ce que je montre. Hop, on va décaler un peu par là. Voilà. Et en même temps, je vous mets ceux des copines. Et j'aime beaucoup celui-ci, le deuxième. Ouais, j'aime beaucoup. Les couleurs et tout, je trouve qu'il est plus joyeux, plus marrant, plus rigolo. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je laisse un peu hein, pour que vous ayez quand même le temps de voir ceux des copines. Voilà pour cette double page. Donc, ça, c'était décembre. Donc j'en ai fait 3 en décembre et j'en ai fait 3 en janvier. Donc le premier, c'est cette petite hippopotame. Alors je la mets où? Je la mets où? Je la mets où? Non, je vais la mettre là, comme ça, ici, vous aurez le deuxième. Voilà, et j'aime beaucoup. Alors par contre, je n'ai pas trouvé la bonne teinte encore de marron. J'ai quelques marrons hein, pourtant, mais je sais pas, les marrons, c'est vraiment très très embêtant de les trouver. J'ai beaucoup de mal avec les marrons. Voilà, donc ensuite il y avait celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore, je le trouve vraiment très très beau. Donc il y a beaucoup de monde qui m'ont envoyé, enfin les filles m'ont envoyé jusqu'à celui-ci, je crois qu'il y a que. Et le dernier que j'ai fait, je l'ai fait très 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 récemment. Et du coup, j'ai pas eu le temps de prévenir tout le monde que je l'avais fait, donc je suis désolée les filles. Voilà, c'est celui-ci et je le trouve vraiment trop joli. Elle est trop belle, notre petite Alice. J'aime beaucoup. Voilà. Alors donc pour le mois de février, j'espère réussir à en refaire 3. À vrai dire, j'aimerais bien 4. Dans le grand classique, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'aimerais bien faire 4, minimum 4 pages dans le grand classique Disney tome 2, donc celui-ci. J'adorerais pouvoir en faire 4, donc aller jusqu'à la page 1, 2, 3, 65 au moins. J'espère y arriver. Ouais, en plus, ils n'ont pas l'air très compliqués, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de zones. Ah, sur celui de la 64, 63, 64 quand même. Le 62 et 65, les zones sont plus larges, mais les deux du milieu, non. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres par mail. Pour d'autres colos en commun ce mois-ci, je ne vous en donne pas parce que je vous ai dit, c'est de plus en plus compliqué pour moi de faire pas mal de colos par mois. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à faire mes colos. Et du coup, il y en a beaucoup moins. En plus de ça, il n'y a pas que le colo, il y a aussi le DP. Il y a un DP Kefan qui va arriver. Vous avez déjà vu le grand de Yves Broderie que j'avais reçu. Donc, j'ai encore du boulot là-dessus aussi. J'ai envie de les faire. Je suis impatiente de les faire. Donc voilà.
Et sinon, bah, il y a toujours les colos du fil rouge, hein. N'hésitez pas à aller voir et participer si, ça, si le cœur vous en dit. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez participer pour un seul colo sur les trois que je donne, ou sur les trois, ou deux, ou, enfin, c'est comme vous voulez. Ensuite, c'est pareil, je ne le dis pas assez souvent, bon, je ferai la vidéo fil rouge, donc je le redirai dans la vidéo fil rouge, mais je ne le dis pas assez souvent dans la vidéo fil rouge. Si vous avez des colos des mois précédents que vous n'arrivez pas à terminer dans les temps, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je les mettrai en début de vidéo du mois d'après, enfin du mois où vous me l'enverrez. Même dans, que ce soit dans Nightfall ou dans Saison, ou dans le Girl Power, il n'y a aucun souci. À partir du moment où vous m'envoyez des colos qu'on a déjà fait, je les mettrai en début de vidéo. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc j'ai vu que vous avez vu le nouveau principe, donc je suis super contente aussi. Les nouveaux défis, ça a l'air de plutôt vous plaire, donc je suis super contente. Donc le mois prochain, il y aura déjà les trois du fil rouge. Il y aura, j'espère, les quatre dans les grands classiques Disney tome 2. J'espère, j'espère, j'espère qu'il y aura les 4. Donc ça en fera déjà 7. Et il y aura aussi celui du défi. Et le défi, c'est un défi sur l'amour. Donc hyper ouvert, hyper super bien. On verra bien. Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous. Je vous remercie de m'être aussi fidèle. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.